Le présentateur Yann Barthes est très ouvert sur le plateau de Quotidien, mais sa vie privée est un vil mystère. Le public souhaite en savoir davantage, mais il est trop dur en interview. La télévision et la vie privée sont deux mondes complètement différents pour Yann Barthes. Toujours souriant et ouvert sur le plateau, ce n'est cependant pas le cas lorsque vient des sujets sur sa vie intime. Pourquoi tant de mystères? Le métier de présentateur n'est pas toujours évident, et il est souvent difficile pour les présentateurs de conserver leur vie privée intime. Tout le monde est affûté, information pour en savoir plus sur leur vie privée, mais Yann Barthes ne se laisse pas faire. Le présentateur de Quotidien souhaite continuer à faire ce qu'il aime, sans toutefois trop en dire sur lui. D'ailleurs, il avait révélé que s'il avait la possibilité de présenter son émission avec un masque, il le ferait. C'est le top d'être connu sans être reconnu, je parle 2 heures par jour à la télé, c'est déjà pas mal, non? La discrétion est la chose la plus précieuse au monde pour moi, a-t-il confié à TV Magazine. Célibataire au mari, comme nous avons fait savoir plus haut, la vie privée de Yann Barthes est tout un mystère. Tout ce que le public sait à son sujet, c'est, et ce qu'il veut bien dire, principalement sur le plateau de son émission. Toutefois, l'ex-Miss France Laurie Tillemann avait lâché que le présentateur serait fan de cyclisme. En dehors, Hélène accorde pas beaucoup d'interviews, alors nul ne sait s'il est célibataire ou marié. Toutefois, ses fans estiment qu'à 45 ans, il devrait être marié, et qui sait, peut-être avoir des enfants. Omar Sy, ouvert sur sa grande famille contrairement à Yann Barthes, Omar Sy n'a aucun problème à se confier sur sa femme et ses 5 enfants. Sur le plateau de Quotidien, le comédien a tendrement parle de sa vie en famille.